27 ans. Elle a deux sœurs et ses parents sont divorcés. Donc elle vit une semaine sur deux chez son père. Et un jour, elle décide de ne plus vivre avec son père. Et au moment quand elle lui dit ça, il meurt dans un accident. Et donc, pendant l'histoire, elle essaie d'assimiler avec ses sentiments et le deuil. Et c'est pourquoi elle habite dans l'appartement de son père pour quelques semaines après la mort. Et là, elle trouve un livre dans lequel son père a écrit quelques notes. Et c'est un livre des théories vietnamiennes, c'était très important pour son père. Et puis, elle essaie de les transmettre pour les cérémonies pour son enterrement. Et pendant ce temps-là, elle se sent très proche de lui et elle parle avec son père ou son esprit tout le temps. Donc, le livre « Ne plus vivre avec lui », c'est un livre sur l'amour, l'amour dans différentes manières. L'amour de Sylvia pour son père, pour sa mère et son petit ami. Et pour conclure, on faut dire que il n'y a pas une vie sans la mort et pas d'amour sans deuil. Donc, c'est le livre. Et Sylvia, elle est non seulement déchirée entre les sentiments du deuil et la joie, la mort et la vie, mais elle doit encore assimiler des sentiments de culpabilité parce qu'elle croit que c'était elle qui a tué le père en l'appelant dans la voiture.